va juste rentrer, ma chère.
battez vous. Si toi aussi, j'essaye de rivaliser, mais j'arrive jamais. J'essaye pas. Bon. Hein? Venez, on est pas là. Ah, papa. Là, c'est bon là-bas. Tu peux le mettre. Ça va et toi? Ça va. C'est pas mieux. Viens, Tam. Allez, allez, au tournant. Ah, Maya. Ah, Tam, Maya. Maya.
Bien, mesdames et messieurs, bienvenue à tous et merci d'avoir bien voulu prendre place au sein de notre hémicycle. Avant que les autorités présentes ne soient appelées au pupitre pour prononcer leurs allocutions solennelles, il semblait important de vous présenter ce lieu où résonne la voix de la démocratie polynésienne depuis des décennies. Cet hémicycle porte le nom de M. Vetea Bombrich, secrétaire général de l'Assemblée de la Polynésie française de 1987 à 2005. Il accueille, dans sa partie basse, 56 des 57 représentants démocratiquement élus à l'Assemblée, dont les pupitres sont répartis selon leur groupe politique, face au président de l'institution qui organise et dirige les débats. Au centre de sa partie haute, le perchoir accueille le président de séance, assisté du secrétaire général de l'institution installé à sa droite. À la droite du perchoir, 11 pupitres sont réservés aux 8 ministres du gouvernement local, au vice-président et au président de la Polynésie française. La salle est couverte d'une toiture à double voilure, ouverte largement sur l'extérieur, sur ses deux extrémités, par de grandes verrières qui laissent passer la lumière du jour. De chaque côté de l'hémicycle, deux imposants panneaux en bois égrènent respectivement le nom des 118 îles de la Polynésie française et des 5 archipels du pays. La salle des séances est ornée d'œuvres sculptées, mettant en exergue un motif ou un détail de la culture, des traditions, des techniques et savoir-faire propres à chacun des 5 archipels de la Polynésie française. Une cabine destinée à la traduction simultanée des débats est installée à l'arrière gauche de l'hémicycle et permet aux élus de débattre en langue vernaculaire, conformément aux dispositions de notre règlement intérieur. À l'arrière des pupitres occupés par les élus, les tribunes sont ouvertes au public ou aux invités et des places assises attribuées aux médias. L'hémicycle accueille, en plus des séances plénières et des réunions de la commission permanente de l'Assemblée de la Polynésie française, de manière très exceptionnelle, les réunions officielles et les invités de marque de l'institution et du pays. Le président de l'Assemblée est heureux et honoré de vous y accueillir aujourd'hui. Maintenant que cette brève présentation de notre hémicycle est achevée, je vous propose de poursuivre notre programme et d'accueillir dans quelques instants au pupitre les élus amenés à ouvrir solennellement vos travaux. Si vous le permettez, je vais, comme il se doit, les présenter et les introduire auprès de votre éditoire avant qu'ils prennent la parole. Le premier orateur est ingénieur de formation. Il démarre sa carrière politique en 1986 en qualité de ministre de l'Équipement et occupera pendant près de 20 ans, sans réelle interruption, plusieurs autres postes ministériels au sein des gouvernements en place. Il est élu à l'Assemblée de la Polynésie française depuis 1991 et est aujourd'hui le doyen d'âge de l'institution et le représentant en fonction détenant le plus important de nombre de mandats successifs à l'Assemblée. Porté 3 fois aux plus hautes responsabilités du pays, il fut président de la Polynésie française en 2006, 2008 et 2009. Sa force réside dans son assise politique communale. Il est en effet maire de Bora Bora, la perle du Pacifique, depuis 1989 et fut élu la même année président du syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française, fonction qu'il occupa pendant près de 20 ans. Homme discret, humble et fédérateur, il est élu au perchoir de l'Assemblée de la Polynésie française le 17 mai 2018 et obtient, en juillet 2019, l'adhésion de l'Assemblée de la Polynésie française à l'Assemblée parlementaire de la Francophonie, chevalier de l'Ordre national du mérite, chevalier dans l'Ordre de la Palme académique, chevalier dans l'Ordre de la Légion d'honneur, grand croix de l'Ordre de Tahiti Nui. Je vous prie d'accueillir le président de la section Polynésie française et président de l'Assemblée de la Polynésie française, M. Gaston Tangsang, sous vos applaudissements. Merci.
Monsieur le Président de la Polynésie française, Mesdames et Messieurs les parlementaires de la Polynésie française, Madame la députée, Madame la sénatrice, Mesdames et Messieurs du gouvernement de la Polynésie française, Monsieur le Premier vice-président de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie, Mesdames et Messieurs les représentants de l'Assemblée de Polynésie française et membres de la section Polynésie française de la Francophonie, Mesdames et Messieurs les présidents des réseaux de communication et commissions, Madame la Présidente du Réseau des femmes, Monsieur le Président de la Commission de l'Éducation, Communication et des Affaires culturelles, et Monsieur le Vice-président du Réseau des jeunes parmi nous, Mesdames et Messieurs les parlementaires et membres des sections de la Belgique, du Canada, de la France, du Gabon, de la Nouvelle-Calédonie, du Québec, de la Suisse, de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie et l'ensemble des sections qui nous suivent en direct sur Internet. Monsieur le Président du Conseil économique, social, culturel et environnemental de la Polynésie française, Madame la Secrétaire générale de l'Assemblée secrétaire administrative de la section de Polynésie française, Mesdames et Messieurs les secrétaires administratifs, conseillers, techniciens et fonctionnaires parlementaires, honorables invités, chers amis de la presse et du public. Yorana, idotoi te arufarhai, ototato watua. C'est ainsi que dans cette langue, dans notre langue, nous saluons nos frères et sœurs en leur souhaitant de vivre et d'être bénis abondamment par l'Éternel. Au nom de la représentation polynésienne, de la section de Polynésie française et de l'ensemble de la région Asie-Pacifique, je vous souhaite la bienvenue ici à l'Assemblée de Polynésie française. Merci à tous d'être ici rassemblés ce matin pour ouvrir ensemble les travaux des réunions intersessionnelles de notre grande assemblée francophone. J'aimerais vous remercier par votre présence parmi nous ce matin, Monsieur le Président de la Polynésie française, et adresser mes salutations cordiales aux représentants de l'État français en Polynésie française, le Haut-Commissaire de la République, Monsieur Dominique Sorin, astreint à la réserve en raison de la tenue, dans quelques jours, du deuxième tour des élections présidentielles. Ce dernier m'a affirmé son regret de ne pouvoir être parmi nous ce matin, tout en m'indiquant son grand intérêt pour les travaux de nos instances francophones. J'ai en cet instant solennel une pensée fraternelle et respectueuse pour notre honorable président de notre institution, M. Amadou Soumaoro, et pour notre secrétaire général parlementaire, mon ami Jacques Krabal, qui nous suit sans doute en direct depuis nos plateformes virtuelles. Comme vous le savez, nous aurions dû nous rencontrer bien plus tôt. Mais la face du monde a été transformée par une pandémie déconcertante qui nous a contraints, sans fatalité, mais avec résilience, à ajourner, à adapter et pour reporter nos rencontres précédentes. Je salue votre compréhension, mes chers collègues, et félicite l'ensemble de nos équipes techniques et administratives pour leur faculté d'adaptation face à ces nombreux changements. Voici qu'enfin, nous nous rencontrons pour faire vivre nos réseaux, nos commissions, échanger sur nos problématiques communes et préparer la prochaine assemblée plénière de notre institution parlementaire. Cette réunion, en format hybride,
organisé à propriété à 20 000 km de l'Occident, sont un honneur pour notre section, mais représentent également un véritable challenge pour notre institution. Nous sommes heureux de le relever et espérons être à la hauteur de la confiance que nous avez accordée, Monsieur le Premier Vice-Président, en acceptant avec vos collègues du bureau que nous soyons l'hôte de ces rencontres francophones. Comme vous le savez, l'Assemblée de la Polynésie française est membre à part entière de l'Assemblée parlementaire de la francophonie depuis le mois de juillet 2019. Cette adhésion, nous vous la devons, chers collègues. Mais nous la devons également à notre statut d'autonomie, qui permet à la Polynésie française d'être membre à part entière, membre associé ou observateur d'organisations internationales. Voilà plus de 250 ans que la langue française a accosté sur nos rivages, transportant dans ses cales la richesse de la culture française et le métissage des hommes et des identités si visibles en Polynésie française. Langue d'évangélisation et d'assimilation, la langue française s'est transformée au fil des décennies en outil de liberté et d'instruction, en instrument de démocratie, en moyen de communication, d'échange et de partage. Langue officielle de la Polynésie française, le français et son usage ne sont pourtant pas égoïstement exclusifs en Polynésie. C'est ainsi que le législateur a indiqué dans l'article 57 du statut d'autonomie de notre pays, la langue tahitienne est un élément fondamental de l'identité culturelle, ciment de cohésion sociale, moyen de communication quotidien. Elle est reconnue et doit être préservée, de même que les autres langues polynésiennes, aux côtés de la langue de la République. Afin de garantir la diversité culturelle qui fait la richesse de la Polynésie française. C'est ainsi que se vit la francophonie polynésienne, mes chers collègues, une harmonie de culture, de valeurs et des langues, un espace commun d'échange et de partage où chacun trouve sa place sans suprématie, sans rapport de force, sans compétition. Mes chers collègues, depuis notre adhésion à l'Assemblée parlementaire de la francophonie, nous avons pu mesurer la puissance de cette Assemblée, la robustesse des liens tissés entre nos parlements respectifs, mais aussi le spectre important des actions et des compétences de l'APF. Face à ce constat, ma responsabilité en tant que président de la section de Polynésie française à l'APF a été d'être réactif, proactif, afin de rendre à notre Assemblée parlementaire au moins autant qu'elle nous donne. Je remercie ici mes collègues de section, mais aussi notre secrétaire général administratif pour leur volontarisme, leur dynamisme, et leur implication dans les activités de la section. Nous tâcherons de poursuivre sur cette voie en nous accueillant notamment au mois de mai prochain pour la commission des affaires parlementaires, mais aussi, nous l'espérons, au début de l'année prochaine pour la tenue du bureau de l'APF ici même à Papeete. Monsieur le Premier Vice-Président de notre Assemblée parlementaire de la francophonie, la section Polynésie française souhaite participer davantage à la vie de notre grande Assemblée et veut contribuer encore plus à son rayonnement. Elle émet le vœu solennel d'une représentativité asiatique et pacifique plus ancrée, plus importante
et plus marquée au sein du bureau de notre institution. À la faveur des prochaines modifications statutaires soumises aux instances décisionnelles de l'APF, alors que la région Pacifique, Asie-Pacifique a presque doublé le nombre de ses membres au cours des 5 dernières années, je formule l'humble souhait que notre région soit dotée d'une représentation plus importante au sein du bureau de l'APF, puisse ce vœu être entendu avec bienveillance. Par ailleurs, alors qu'il y a 5 jours à peine, j'invitais solennellement le président de la Polynésie française, au cours de mon allocution d'ouverture de notre session administrative, à intégrer au plus vite l'Organisation internationale de la francophonie. Je vous demande, monsieur le premier vice-président, de bien vouloir soutenir la candidature de notre Polynésie et de peser de tout votre poids dans cette démarche pour faire adhérer notre Polynésie française à l'Organisation internationale de la francophonie. La Polynésie française, ouverte sur le monde, a tant à apporter à ses instances internationales, mais aussi tant à recevoir d'elles. Mes chers collègues, je terminerai mes propos en vous disant toute ma fierté et ma gratitude d'être l'un des vôtres et d'appartenir à cette belle grande famille francophone. Avec la francophonie, la Terre entière, la planète Terre, se transforme en un parlement géant où résonne la voix de 500 millions de citoyens des 90 pays membres de la francophonie, en une assemblée universelle, sans frontières géographiques, sans fuseaux horaires, on s'est rendu compte par les visioconférences, où chacun a droit à la parole, où les divergences sont transcendées et les diversités sublimées. Je vous souhaite une riche et fructueuse semaine de travail et vous remercie de votre aimable attention. Merci. Merci, Monsieur le Président. À présent, je vous propose d'accueillir notre prochain orateur. C'est l'homme fort de la Polynésie française. Il incarne le pouvoir exécutif du pays et il est, conformément aux dispositions de la loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française, la première institution du pays. Lui aussi ingénieur de formation, il exerce ses premières fonctions politiques dès 1984 en qualité de ministre de l'équipement, puis de ministre de la mer, des archipels, des télécommunications, de l'emploi ou encore des communes, avant de devenir vice-président de la Polynésie française entre 1995 et 2005, puis entre 2009 et 2011 aux côtés du président Thompson. Constamment réélu à l'Assemblée de la Polynésie française depuis 1986, il présida l'institution en 2007, 2009 et 2013. Il fut par deux fois député de la première circonscription de la Polynésie française. Son assise politique, il l'a bâtie sur le plan communal lui aussi, dans sa commune de Pirae, où il fut maire entre 2000 et 2008 et où il est réélu en 2014 puis en 2020. Homme de dialogue et d'ouverture, autonomiste convaincu, attaché aux valeurs de la République, il accède aux plus hautes fonctions du pays en 2014 et y est reconduit le 19 mai 2018. Je vous prie d'accueillir le président de la Polynésie française en charge du tourisme, de l'égalité des territoires et des affaires internationales, M. Édouard Pritch. Merci. Merci beaucoup pour vos applaudissements.
je dois vous dire que je suis effectivement tout intimidé par la présentation qui vient de vous être faite. Ça fait un moment que je n'ai pas entendu mon CV. Merci, Monsieur le Président de l'Assemblée. Vous nous rappelez ces bons moments et puis surtout de nous rappeler que nous sommes très âgés aujourd'hui. Mesdames et messieurs, je ne vais pas vous faire de discours parce que je voudrais surtout, au nom des Polynésiens et des Polynésiennes, vous souhaiter à toutes et à tous ici en Polynésie la bienvenue. Nous sommes fiers, nous sommes heureux, nous sommes honorés de recevoir les représentants de cette organisation à laquelle nous aspirons depuis un certain temps. Nous sommes dans une zone, le Pacifique, où les anglophones sont beaucoup plus nombreux que les francophones. Nous sommes trois territoires avec la Calédonie, Wallis et Futuna, perdus au milieu de millions de kilomètres carrés. Et aujourd'hui, cette francophonie vient nous renforcer, vient nous réconforter. C'est un espace d'échange, tout le monde le sait. C'est un espace où l'on trouve de la solidarité, où nous allons trouver des hommes et des femmes, effectivement, qui parlent la même langue que nous, mais au-delà. Mais au-delà. Comme vient de le dire notre président de l'Assemblée de Polynésie française, nous faisons un pas important. Nous l'avons attendu depuis un certain temps, puisque c'est au cours de la modification du statut d'autonomie de la Polynésie française en 2019 que l'État a effectivement accepté que nous puissions adhérer à des organismes internationaux. La francophonie est un organisme international. Nous ne pouvions pas adhérer à l'OIF, puisque c'était un organisme international. Et enfin, quelques années plus tard, ce rêve se réalise. Alors, bienvenue à toutes et à tous. Je dis à ceux qui sont arrivés vendredi, vous avez eu raison d'arriver un peu plus tôt. Et je dis à ceux qui partent dès la fin de la semaine, vous avez tort de partir. N'allez pas venir en Polynésie française faire des millions de kilomètres carrés, madame. Du Gabon. Non, mais attendez. J'espère que vous allez passer un mois chez nous. Je sais que vous avez un emploi du temps chargé, mais c'est vrai que il faut venir en Polynésie française pour découvrir ce pays. Effectivement, nous sommes francophones. Mais vous savez que notre gros souci aujourd'hui, c'est de transmettre ce que nous avons dans les tripes à nos enfants. Ce que nous avons dans les tripes aujourd'hui, c'est notre culture. La culture autochtone de ce pays, la culture maori, comme nous avons l'habitude de le dire, que nous héritons de nos ancêtres. Nos ancêtres qui sont arrivés dans ces pays, on nous dit il y a 1000 ans, il y a 1500 ans, en fin de compte, depuis pratiquement la naissance du Christ, nous sommes là. Et nous avons, avec nos ancêtres, colonisé le Pacifique. Tout est parti de la Polynésie française. Je n'ai pas vu sur le programme, Monsieur le Président, mais il faut les envoyer sur le Maraïta Pitapuatea, qui est le centre du monde, pas le centre du Pacifique, qui est le centre du monde situé à Raiatea. Tous les navigateurs polynésiens ont découvert cette zone du monde en partant de ce marais de Taptapote, qui est un temple polynésien, et qui ont transporté les langues, les mœurs et tout ce que nous avions à l'époque. Ça, il vous faut du temps pour découvrir. Il faudrait que vous puissiez rester un peu plus longtemps et découvrir beaucoup mieux notre histoire. Je pense à nos amis canadiens, je pense à nos amis belges, je pense naturellement à nos amis africains, mais je pense à tous ceux et celles qui, pour la première fois, ont la chance de venir en Polynésie. Mesdames et messieurs, je suis fier de ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Je suis fier d'adhérer à la francophonie. Monsieur le vice-président, futur président, bien sûr que nous comptons beaucoup sur vous pour qu'effectivement la Polynésie puisse adhérer entièrement à cet espace qui nous intéresse, parce que nous avons besoin effectivement aussi d'échanger avec les autres francophones qui nous entourent, c'est la richesse. Nous ne sommes pas les meilleurs au monde, nous nous enrichissons des expériences que nous pouvons partager avec les autres. Voilà, je vous souhaite donc de passer ici en Polynésie un bon séjour. Et puis réfléchissez à ce que je vous dis. Tout peut s'arranger d'ici.
pouvez rester tant que vous voulez. Le président de l'Assemblée est à votre disposition. Vous avez vu qu'il est maire de Bora Bora. Il trouvera toujours à vous loger. Monsieur le maire de Bora Bora, n'est-ce pas? On s'organisera mieux la prochaine fois, n'est-ce pas? Je serai avec toi, en tous les cas, pour que nos amis soient mieux et mieux et mieux et encore mieux. Chaque fois que vous viendrez en Polynésie, vous découvrirez quelque chose de mieux. Vous avez vu les Marquisiens ce matin? Vous n'avez pas vu les Pomotou? Vous n'avez pas vu les Australopithèques? Enfin, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espace ici en Polynésie française qu'il nous faudra découvrir. Et je serai avec vous pour que vous passiez un bon séjour chez nous. Je vous embrasse tous et bon séjour. Nous vous remercions, Monsieur le Président. Le troisième et dernier orateur nous vient du Canada. Diplômé en administration des affaires et en commerce, il fut pendant 4 ans adjoint spécial du Premier ministre de l'Ontario et consultant en communication pour une firme de relations gouvernementales. Son engagement politique démarre alors qu'il n'a que 17 ans et qu'il rejoint le Parti libéral, dont il devient président des jeunes, avant de diriger les campagnes électorales fédérales et provinciales du parti en 2011 et 2014. En 2015, il remporte brillamment les élections fédérales et devient, à 31 ans, député fédéral de Glengarry Prescott Russell. Il considère l'opportunité d'aider les gens comme un honneur et un privilège et croit fermement dans les valeurs du service public. Francophone engagé, amoureux des cultures et des langues, il intègre le bureau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie en 2019 avec la noble ambition de partager dans toutes les régions du monde l'amour de la francophonie. Il sera élu en juillet prochain, conformément au statut de l'APF, président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Je vous prie d'accueillir, mesdames et messieurs, le député fédéral de Glengarry Prescott Russell, président de la section Canada et vice-président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, monsieur Francis Drouin, sous vos applaudissements. Merci. J'ai toujours le plaisir de dire que ma biographie n'est pas aussi longue que mes collègues à ma droite et à ma gauche. Mais je suis content qu'elle est toujours positive après 6 ans en politique. Et juste pour remettre les choses à l'heure, lorsque j'apprenais à marcher, la sagesse à la gauche commençait en politique. Alors, c'est un plaisir pour moi de faire partie de votre réunion aujourd'hui. Monsieur le Président de la Polynésie française, Monsieur le Président de l'Assemblée de la Polynésie française, Mesdames et Messieurs les Présidents de commissions et de réseaux, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs, chers amis francophones, c'est avec plaisir que je participe ici, en Polynésie française, aux réunions intersessionnelles de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Je tiens avant tout à remercier M. le Président de la Polynésie française, M. Édouard Fritsch, pour sa présence parmi nous, qui marque la considération qu'il porte à notre Assemblée parlementaire. Un très grand merci aussi à M. Gaston Tongsan, Président de l'Assemblée de la Polynésie française, section particulièrement dans notre région Asie-Pacifique, qui nous fait l'honneur de nous accueillir avec un tel déploiement de moyens et un tel engagement humain dans les locaux de son Assemblée. Personne ne méconnaît qu'il est difficile d'organiser un événement aussi conséquent, nécessitant des semaines de travail de la part des parlementaires ainsi que de tous les services administratifs et techniques. Je mesure l'ampleur de votre travail, Monsieur le Président, et celui de tous vos collaborateurs. Soyez-en tous vivement félicités. Pour commencer, je me dois de souligner combien nous apprécions de nous retrouver physiquement pour la première fois depuis si longtemps. Songez que la dernière fois que des membres des 4 régions de l'APF se sont trouvés réunis, cela remonte en 2019. Cet événement exceptionnel de 3 réunions statutaires, intersessionnelles et d'un séminaire sur un sujet d'intérêt régional est l'occasion idéale pour renouer avec le travail en présentiel, sans lequel il est plus difficile de se concerter, de débattre,
de prendre des décisions partagées pour faire progresser le travail interparlementaire. C'est avec un grand enthousiasme que la Commission de l'éducation, de la communication et des affaires culturelles, le réseau des femmes parlementaires et le réseau des jeunes parlementaires se retrouvent afin de mener à bien leurs travaux, ce qui va nous changer de la distance humaine imposée par nos écrans. Nous aurons l'occasion, lors des 4 prochains jours de travail, d'aborder des thèmes majeurs, prioritaires pour l'APF. La Commission de l'éducation, de la communication et des affaires culturelles, présidée par M. Laurent Verly, se saisira des sujets suivants. D'abord, les enjeux inhérents aux réseaux sociaux. Ce cinquième pouvoir offre des avantages considérables aux populations, mais d'un autre côté, est enclin à des dérives qu'il convient de maîtriser. Madame Rera Iyatata, présidente de la French Tech Polynésie, partagera avec les membres de la Commission son expertise sur ce sujet. Autre dossier majeur, la violence à l'encontre des enfants en milieu scolaire. La CECAC accueillera M. Éric Tournier, directeur général de l'éducation et des enseignements de la Polynésie française. Et le troisième thème, choisi par la section polynésienne, nous permettra d'aborder les questions de la persévérance scolaire et d'insertion professionnelle des jeunes francophones. La CECAC recevra sur ce sujet M. Christian Morin, inspecteur d'académie et d'inspecteur pédagogique régional chargé des établissements et de la vie scolaire au vice-rectorat de la Polynésie française. Enfin, à l'occasion d'un tour de table, les membres de la CECAC relateront le contexte pandémique dans leur pays afin d'actualiser la connaissance que chacun possède des situations dans les différentes sections. Le Réseau des femmes parlementaires, sous la présidence de Mme Maryse Gaudreau, s'est saisi dans son ordre du jour de questions primordiales liées au développement économique et éducatif, à la sécurité, à la reconnaissance du rôle des femmes et des filles francophones durant la pandémie. La volonté d'instaurer une politique ambitieuse et de créer un arsenal juridique contre les violences faites aux femmes dans les parlements a notamment été inscrite à l'ordre du jour du réseau. Cela apparaît aux parlementaires que nous sommes comme une responsabilité morale. À cet égard, l'atelier du Réseau des femmes qui sera organisé cette semaine stimulera la politique cadre qui sera proposée à partir du second semestre 2022 au Parlement de l'espace francophone. Le Réseau des jeunes, dont je fais partie aujourd'hui, sous l'autorité de son premier vice-président, M. Pascal Sawa, Odia Sonora, Mme Pamela Atplogan, nouvelle chef de l'unité jeunesse, sport et citoyenneté de l'Organisation internationale de la francophonie. Sur le thème de l'entrepreneuriat des jeunes et de la prise en compte du développement durable, il entendra M. Yan Qing, directeur général de la société Vini Vini, amarrateur et marailleur. Il se penchera sur la pratique ancestrale du Rawi, méthode polynésienne de protection de l'environnement. Enfin, 3 rapports seront examinés sur la participation des jeunes à la vie politique, sur l'innovation démocratique du 21e siècle et sur l'éducation en situation de crise. Et parce qu'il nous serait impossible de ne pas évoquer les enjeux du développement durable, l'APF a décidé d'organiser, au terme des travaux de la Commission des réseaux, un séminaire de haut niveau sur le changement climatique au bénéfice des élus de la Polynésie française. Cette action de coopération interparlementaire s'appuiera sur les témoignages de 2 experts, un représentant de l'Institut de la francophonie pour le développement durable et un spécialiste polynésien des problèmes de dérèglement climatique propres aux espaces insulaires. L'objectif est de renforcer les capacités techniques des élus de la Polynésie française, dont le rôle est perçu comme décisif dans la conduite et l'évaluation des politiques de développement. Comme vous le savez, ces capacités techniques sont essentielles pour relever les défis relatifs à l'élaboration des législations nationales et au contrôle de l'action des gouvernements en matière d'environnement et de développement durable. En ma qualité de premier vice-président de l'APF, il m'incombe maintenant de vous rappeler quels sont les grands rendez-vous de notre institution dans les mois à venir. D'abord, bien entendu, nos 3 autres commissions permanentes ont prévu de tenir prochainement leur réunion intersessionnelle, en particulier la Commission des affaires parlementaires, qui se tiendra elle aussi à Papeete dans un mois.
la Commission de la coopération et du développement travaillera autour de la thématique, là encore, des changements climatiques, en particulier dans la perspective de la COP 2027. Elle aura lieu également en mai. En marge de ses travaux, son groupe de travail ad hoc fera avancer le chantier de révision statutaire qui doit aboutir en juillet 2023. Du 5 au 10 juillet, nous nous retrouverons tous pour la 40e session de l'APF à Kigali. Et je vous invite à vous inscrire, Doris, et déjà à cet événement pour lequel le secrétariat administratif a communiqué aux sections tous les éléments nécessaires. La section rwandaise, tout comme la section polynésienne, l'a fait avant de nous recevoir. Travail d'arrache-pied pour nous permettre de travailler dans des conditions optimales. Puis du 25 au 31 juillet, ce sera le 9e Parlement francophone des jeunes organisé à Tirana. Cet événement qui permet de faire travailler des jeunes du monde entier sur des simulations législatives est particulièrement entendu car il n'y a pas eu de PFG depuis 2017. Et je me réjouis que ces deux grands rendez-vous soient organisés au Rwanda et en Albanie, deux pays qui, tout comme la Polynésie française, du reste, reflètent bien la volonté de la francophonie française de se déployer hors de ses bastions traditionnels. Organiser successivement des initiatives emblématiques de l'APF dans un archipel du Pacifique, en Afrique de l'Est et aux confins de l'Europe balkanique, c'est montrer au monde que la francophonie est universelle, non seulement à travers les valeurs qu'elle chérit et qu'elle promue, mais également au regard de la diversité culturelle de ses peuples. Nous autres, issus des 90 sections de l'APF, représentants de tant de peuples, sommes déterminés à continuer à faire rayonner la langue française et les valeurs de la francophonie dans les enceintes parlementaires comme dans la société civile. Je finirai par une note plus prosaïque en vous disant que je compte sur vous tous pour contribuer à deux projets très importants de l'APF. Premièrement, les corpus législatifs. Les débats du bureau de Libreville de janvier dernier ont mis en évidence la nécessité de proposer aux sections de l'APF de nouveaux matériaux législatifs en mettant en commun l'expertise des parlements de l'APF sur des sujets d'intérêt commun. Il sera possible de produire des corpus législatifs reprenant des législations en vigueur afin de servir de base de référence. Les ressources ainsi proposées pourront ensuite être adaptées sur les besoins des parlements en inspirant en considération de leurs spécificités nationales. Les sections peuvent éprouver des attentes. De telles ressources leur seront précieuses pour renforcer leur dispositif juridique national. À l'inverse, elles peuvent juger utile de valoriser leur propre arsenal législatif en les partageant. Pour répondre aux attentes comme aux idées de toute section, le secrétariat général vous a sollicité afin de recueillir vos avis sur les thèmes de corpus législatif que vous jugez prioritaires. Les réponses peuvent lui être adressées pour les sections qui ne l'ont pas encore fait. Un programme pluriannuel du corpus législatif sera proposé à l'Assemblée plénière lors de la session de juillet 2022. Et deuxièmement, l'élaboration d'un cadre stratégique 2023-2026. Là encore, les actions seront consultées. La concertation ira bien au-delà. D'ailleurs, l'OIF et opérateurs de la francophonie devront être entendus afin que tout en mettant en avant nos propres priorités, en fonction de notre identité parlementaire, nous sachions mettre en cohérence et en phase les perspectives stratégiques de tout l'écosystème francophone. La contribution des sections sera essentielle, non pas à établir une liste à la Prévert, ce qui serait contre-productif, mais au contraire, pour faire émerger des vraies priorités claires, identifiantes et réalistes. Monsieur le Président Tonson, merci beaucoup pour votre accueil et je tiens à remercier la section de la Polynésie française pour l'accueil chaleureux au nom de tous les parlementaires. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Vice-président, et merci à tous pour votre aimable attention. Je vais à présent inviter l'ensemble des élus membres des sections, accompagné du président Gaston Tongson, du président Édouard Fritsch et du vice-président Francis Drouin,
à se rendre dans les jardins de l'Assemblée pour la photo officielle. Quant au reste des invités, ils peuvent se rendre dans le hall afin de prendre quelques rafraîchissements avant le démarrage des travaux dans les salles et les espaces dédiés à cet effet. Merci.